Bonjour, bonjour tout le monde. Sentimental, je partage le message carte. Je me mets un petit peu sur le côté parce que ce sont de grandes cartes. J'espère que vous vous portez tous et tous très très bien. Je tiens à vous remercier pour toute votre présence, participation sur la chaîne. Merci, 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 merci. Alors, message carte sentimental. Je vais zoomer dans le domaine sentimental sur la situation d'une personne. C'est du général, vous faites bien preuve de discernement. Et je vais partager tout ce que je peux partager avec vous. La personne de votre cœur, au milieu, votre lien, et vous, à droite. Et on va voir tout ce que je peux partager. Message carte, ensuite l'écrit du jour, comme toujours. Et on y va. Alors, la personne de votre cœur, là, il va y avoir une rencontre. Une rencontre. Un visuel, une rencontre. Alors, voulu ou pas voulu. Vous allez peut-être vous rencontrer par hasard. Un visuel par hasard. Quelque chose qui n'est pas prévu, il y a une rencontre. Voilà, vous vous rencontrez. Ou alors, ça va être quelque chose de prévu. C'est peut-être la personne de votre cœur qui va venir à votre rencontre. Ou va vous proposer une rencontre. On peut se rendre malade, on est un petit peu malade, hein, de s'avancer vers vous. Ça stresse beaucoup cette personne, on est un petit peu... ouais, on est assez très cassé. Vous allez avoir de l'abondance avec... Abondance de sentiments, d'émotions, d'amour, de tendresse. Il y a beaucoup, beaucoup d'abondance avec la personne de votre cœur. Tous les deux, en fait, vous pouvez vous mettre un petit peu... Ou alors, c'est que vous ressentez l'un et l'autre, vous ressentez... En fait, c'est pas une crainte. Vous en avez envie de cette rencontre. Mais ça travaille. Mais la personne de votre cœur va le faire, hein, parce qu'elle désire de la stabilité, de l'ancrage avec vous, ancrer des nouvelles choses, avoir un retour à de la stabilité pour elle, dans ses domaines de vie, avec vous. Vous allez, pour moi, avoir un métier, vous pouvez avoir un métier artistique ensemble, ou alors là, déjà, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, et ensuite, sur votre lien, décider... d'ouvrir un tout nouveau projet ensemble lié à un métier artistique. Et ça sera très abondant. Vous, vous êtes rempli de sagesse. Va y avoir de l'abondance aussi. Abondance dans votre... dans tous vos projets. Professionnel, financier. Une grande abondance. La personne de votre cœur, depuis l'automne, elle veut vous rencontrer, elle veut vous proposer de vous voir. Alors, il va pas... Soit c'est quelque chose donc qui va être une rencontre par hasard. Alors, ça peut être une personne déjà connue ou inconnue. Hein. Ça peut être une rencontre par hasard. Vous allez vous trouver ensemble sur la même route et vous allez vous croiser. Et cette personne peut vous proposer une rencontre. Ou alors, c'est vraiment cette personne... Vous n'allez pas vous rencontrer par hasard. C'est vraiment cette personne qui vient à vous. Ah, c'est pas sans difficulté parce qu'on est très cassé. On est hyper stressé. Mais il faut faire redescendre tout ce stress. Et ne, voilà, de ne pas se laisser envahir par ce stress. Et puis, il faut foncer. Hein. Cette personne va être plus forte que son stress. Cette personne va être plus forte que son stress. Vous voyez, au printemps, pour moi, vous allez débuter un métier artistique ensemble. Depuis l'automne, la personne de votre cœur veut vous proposer une rencontre, discuter. Ça peut être faire juste un premier pas vers vous, hein, mais après au fil du temps, il y aura peut-être une rencontre. Mais depuis l'automne, en fait, cette personne veut de la stabilité, retrouver de la stabilité dans toute sa vie, ancrer un nouveau projet avec vous, ancrer une rencontre, ancrer qu'il y ait quelque chose entre vous. Hein.
Vous êtes seul, vous pouvez être indépendant, peut-être financier, pro, dans votre, ouais, vous avez de l'indépendance dans votre professionnel. Vous êtes dans la solitude, dans la sagesse. Il y a de l'abondance, beaucoup, beaucoup d'abondance qui arrive sur votre situation. Vous voyez, la personne de votre cœur va vous appeler. Depuis l'automne, cette personne veut vous appeler et après vous proposer au fil du temps, au fil des discussions, peut-être au fil des jours, des mois, au fil des jours, des mois, des semaines, des années. Peut-être après quelques années, cette personne va peut-être vous proposer une rencontre. C'est possible. On veut vous appeler. Cette personne veut vous appeler. Et là, va vous appeler. Vous allez avoir des habitudes saines dès le printemps ensemble, dans ce métier artistique aussi, dans votre professionnel financier, si vous fusionnez sur un projet pro ensemble, vous allez avoir des habitudes saines, ça va vous procurer que du bien, que du positif. Vous allez avoir beaucoup de soutien dès le printemps, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de soutien lié pro, financier, ça peut être dans de la nouveauté, des nouveaux projets, un ou plusieurs nouveaux projets, vous allez avoir du soutien financier. Pro, dans toute votre situation, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de soutien. Donc, il y a un appel. Peut-être que cette personne à l'automne a signé quelque chose qui était très protégé, un appartement. Peut-être que cette personne a signé pour un appartement. Ou alors elle est patiente depuis cet automne, elle a pu avoir peut-être fait des démarches. Et en fait, les démarches peut-être se sont refermées. Mais là, il va y avoir quelque chose qui va se réouvrir. Sur la situation, c'est très protégé, c'est lié à un appartement et ça peut être avant la fin de la journée. Il va y avoir aussi un gain financier qui peut arriver sur la situation de la personne de votre cœur. Et après cette personne, après cette bonne nouvelle, pour moi, vous allez fêter tout cela ensemble. Vous voyez, c'est de l'administratif, dans de l'administratif, tout bouge. Et la personne de votre cœur peut avoir un petit garçon. Il va y avoir de la chance aussi pour ce petit garçon à vos côtés et un triomphe aussi. Il y a une signature là. Hein. Ça peut être avant la fin de la journée ou alors c'est déjà quelque chose déjà signé. Mais alors par contre, la personne de votre cœur va vous appeler pour vous dire cette bonne nouvelle-là, liée à un appartement qu'elle a eu. Vous allez fêter des choses ensemble, vous allez fêter une bonne nouvelle administrative. En tout cas, il y a une bonne nouvelle liée à un appartement, hein, soit ancienne. Soit qu'arrive avant la fin de la journée pour moi. Voilà. Est-ce que je peux partager en espérant que ce message vous parle? Allez, je partage. Alors pour moi, sentimental, donc c'est du général, hein, vous faites bien preuve de discernement. Alors, je peux avoir une relation qui se transforme. Il y a une relation, un lien qui va se transformer. Donc votre lien avec la personne de votre cœur va se transformer entre vous et la personne de votre cœur. Après que tout ce qui vous empêche de vous retrouver. J'ai des choses qui sont en cours. Tout ce qui vous empêche, soit l'un, soit pour l'autre, soit pour les deux, tout ce qui vous empêche en fait de vous retrouver, tout se termine sur ce qui vous empêche en fait de vous retrouver pour moi. Tout.
se termine. Et vous allez avoir des retrouvailles. Ça peut être vous ou la personne de votre cœur. Il y a des retrouvailles. Vous allez vous retrouver avant la fin de la semaine. Vous pouvez être très stressé, mais vous aimez. Hein. Il y a un gros coup de cœur. Il y a beaucoup d'émotions, de sentiments d'amour. C'est un amour chaud, hein. Très 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 chaud. Et vous allez avoir une réussite sur peut-être des hypocrisies. Tout se réchauffe entre vous. Et comme si toute l'hypocrisie en fait autour de votre lien, pour la personne de votre cœur ou vous, tout ce qui vous met en stress, tout va se réchauffer. Vous n'allez plus ressentir de stress. J'ai un retour l'un vers l'autre avant la fin de la semaine. Et vous allez débuter une très très belle débuter, recommencer une très belle relation sentimentale avant la fin du mois. Ça va être palpitant, hein. Palpitant. Voilà tout ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. C'est un réel plaisir, bonheur pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur la vidéo, j'adore vous lire, à vous abonner si c'est toujours pas fait ou vous désirez le faire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. À bientôt, très belle journée.